Hello les Scrap Addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de boîte aux lettres. J'ai reçu de la part d'une de mes abonnées une grosse enveloppe. On s'était dit qu'on se faisait un petit envoi parce que je lui ai envoyé 2-3 petites choses dont elle avait besoin. Et donc bah, du coup on a fait d'un commun accord un échange. Donc je vais ouvrir. Alors petite attention particulière parce que moi aussi je lui ai mis des petits autocollants comme ça. Ouh, il y a plein de choses. Alors, on va prendre au fur et à mesure. Alors, l'objet de l'échange, c'était ce bloc acrylique. C'est trop cool. Oh, il est trop, trop bien. Ouais, c'est super. Il est d'une super taille. Ça évitera que j'utilise... Ça évitera effectivement que j'utilise ma plaque d'embossage. Donc, c'est hyper utile. Et en plus, il y a une petite marque. Donc, c'est génial. Merci beaucoup, Elodie. Alors, elle a mis un petit sac. Ouh là là, ça sent les embellissements, ça. Oh, trop bien! Oh, il y a plein de choses! Oh, ils sont trop mignons, les petits. Ah, attendez, je vais tout sortir de dedans. Oh, c'est trop bien, ça. Alors, j'ai des petits embellissements en bois. Il est trop mignon, le petit flamant rose. J'ai des petites cages à oiseaux. Elles sont trop belles. Oh, c'est trop cool. Des petites encres. Toujours en bois. On a deux petits bateaux aussi. Ah bah, elle avait tout mis en double, du coup. J'ai des petits bateaux et j'ai un autre flamant rose. Et elle a remis deux petites encres. Donc, couleur bois. C'est top. Oh, merci beaucoup. Et après, alors, elle a mis des grosses perles qui sont montées sur tige en métal. Oh, ça, c'est top. J'avais pas de ça. Et après, elle a mis des tout mini rikiki trombones. Ils sont trop beaux. Ils sont canons. Je sais pas où tu les as eus, Elodie, mais ils sont trop beaux. J'adore. J'adore, j'adore. Oh là là, ça, c'est trop beau. Des petites plumes, des petites breloques plumes. Trop chouette, un petit épi de maïs. Ça, c'est une petite feuille, une autre petite feuille, un petit éléphant, un hippocampe, un petit cœur, il est trop beau, et un autre petit cœur. Ah, merci, c'est trop gentil. Alors, malheureusement qu'on avait dit qu'on mettrait pas grand chose, alors je sais, oups. Je sais que moi, je t'ai dit que je t'enverrais pas une énorme enveloppe non plus, mais... Alors, elle a eu plein de serviettes. Le t-shirt trop mignon, ils sont trop chauds. Ça va plaire à Baptiste. Ah, ça, c'est cool. Les serviettes cactus, j'en avais pas de ça. Ah, ceux-là aussi, ils sont beaux. Oh, dis donc, ça, c'est chouette. Avec les notes de musique. Oh, et puis, Cars. Ah, trop bien. Oh, bah, c'est les garçons qui vont être contents. On va pouvoir faire du serviettage. Alors, c'est peut-être toutes les mêmes. Voyons, t'as mis ce qu'il fallait. Tu sais que j'ai que deux garçons, hein, c'est pas non plus. C'est cool. Il y en a 6. Bon, bah, ouais, du coup, on va pouvoir faire de la création avec ça. Ça, c'est cool. Hop, je vais peut-être initier les garçons d'ailleurs à faire du serviettage. Alors, après, il y a encore des choses. Elle a mis une petite planche avec des petits. Ruban, il est trop trop chouette. Et on a des petits nœuds. Pardon si je vous le fais pas voir. Attendez, je vais enlever le plastique. Non, bah je vais pas enlever le plastique. À travers, vous verrez, voilà. Normalement, ça reflète pas. On a des petits rubans, donc rouge et blanc. Ils sont trop beaux. Avec des petits nœuds, du coup. Et puis du ruban linéaire. Trop bien. Ça, c'est toujours utile. Alors là, tu as fait des découpes. Je pense que c'est un dies. Je crois que c'est un dies de chez Action. Oh, madame a mis dans des belles pochettes. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est un dies de chez Action, si je ne me trompe pas. Donc, que je n'ai pas, donc ça tombe très bien. Un dies de bulle. Il est trop chouette. Merci.
Adrienne encore. Oh, mais t'as mis plein de choses. Alors là, c'est d'autres découpes d'ice. Oh là là, il est trop beau l'arrosoir. Donc là, on a un d'ice, donc des petites marguerites. Là, donc les fleurs. Là, c'est juste le cercle. Et ça, là, les petits arrosoirs, ils sont trop beaux. Ah, j'adore. Ça, c'est cool. En plus, tu les as fait dans du papier blanc. Donc ça, c'est top. T'as pris le temps en plus de faire les découpes. Ah, d'accord. Donc là, il faut que je fasse attention parce qu'il y a des apostrophes. Il y a deux fois le mot j'adore. Alors, je ne vais même pas l'ouvrir parce que du coup, j'ai trop peur de le perdre. Donc en noir et en blanc, avec des petits cœurs. Je ne sais pas si vous verrez bien. On voit pas grand chose. Merci. Merci pour le petit mot du coup parce que j'aurais été capable de tout jeter effectivement. Alors ça c'est quoi? Ah d'accord. Ah trop bien. Mais ça c'est canon. Mais c'est trop bien ça. Alors en fait c'est des rubans. Je vous explique ce qu'elle m'a marqué. Ce sont des rubans à la base pour le nail art. Vous savez le... l'art de faire du vernis à ongles. Et elle s'en sert pour le scrap. Et donc du coup elle m'en a mis. Alors il est hyper fin. Je pense que vous verrez pas. Il est hyper fin. Donc là il y a du blanc. Je pense que c'est du blanc. Ouais. Donc ça c'est du blanc. On a aussi du gris. On a du doré. Et de l'argenté bleuté je pense. Ah, il est trop beau. Et de l'argenté bleuté. Oh, c'est chouette. Ah, c'est trop cool, ça. Merci, Elodie. C'est trop gentil. Ah bah, je tombe sur ta carte. Mais alors, à la fin, du coup, elle a fait une jolie enveloppe. Du coup, elle l'a personnalisée. Donc, elle a dû faire un petit fond aquarelle, je pense. Juju. Merci, Juju. T'es trop mignonne. Oh, bah, il y a une petite... C'est trop bien, ça. Ouais, c'est du papier, vous savez qu'il faut faire brûler. Il sent super bon. Ah, j'aurais pas pensé en mettre dans un envoi, mais c'est vrai que du coup, ça sent vachement bon. Merci. Alors, attention, on ouvre. Alors, vous avez la petite étiquette, merci. On ouvre et on a sa jolie carte. C'est sympa. Elle est super belle, ta carte. Ah, j'aime beaucoup les couleurs pastel comme ça, c'est trop chouette. Puis bon, bah voilà, les couleurs, moi j'aime, le vert. T'as même fait dans du papier calque la découpe, c'est vrai que c'est pas bête, j'aurais pas pensé. Et puis t'as mis des petits strass là, trop bien. Elle est super belle. Alors je la lis, mais ça reste secret. Alors au départ, je devais lui envoyer une caravane et un avion en fait, en breloque. Et c'est vrai que ma carte a été un petit peu, enfin mon envoi a été un petit peu plus que ce qu'on avait écrit au départ, mais... Ça me fait super plaisir ton envoi, c'est pas grave si t'as pas mis trop de créa, on se refera un échange, y a pas de souci. T'inquiète pas, moi c'est pareil, je sais jamais quoi y mettre non plus à l'intérieur des envois, donc c'est très gentil. Le but c'est de se faire plaisir et puis de faire plaisir aux autres, donc pas de problème, t'inquiète pas, tu me gâtes déjà largement avec tout ce que j'ai déjà ouvert et je crois qu'il reste encore des choses dans ton enveloppe, donc pas de souci, t'inquiète pas. Alors ben on a, oui effectivement c'est ce que je disais, donc elle a fait encore plein d'autres découpes. Ici fleurs, feuillage, papillons et lune. Alors je vais peut-être pas vous les ouvrir parce que je vais les perdre, c'est des petits morceaux. Alors le papillon il est trop trop chouette. Je pense que c'est un dice aussi de chez Action que je n'ai pas non plus celui-là. Et après on a des feuilles, on a une esperluette que je n'ai pas non plus. Les feuillages, c'est top. Je sais pas où tu les as eus, les feuillages. Si tu veux bien me dire où tu les as eus, je suis preneuse. Ces petites feuilles-là, là. Je sais pas où tu auras eu ça, mais ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Je cherche des feuilles en ce moment. Des dyes et feuilles. On a des fleurs. Alors, je vais pas tous les sortir. On a des oiseaux. Oiseau comme ça, trop beau. Merci, merci, merci. Tu t'es bien embêtée à faire toutes ces découpes déjà. Dans chaque pochette de mots, un combo de médailles et mots. Une série dans chaque couleur. Noir et craft sont les papiers action et les découpes blanches sont dans du papier Bristol. Ah d'accord. Tu utilises du papier Bristol, toi. Oh, mais c'est génial.
Alors, on a souvenir, découverte, il est trop beau. Donc, j'ai vu carpe diem. On a inoubliable, magique. Oh, c'est chouette. Moment. J'ai pas beaucoup de mots français comme ça, moi. J'ai que bonheur, d'ailleurs, je crois. Hello. Et voyage. Et donc, bah, du coup, elle me les a mis en craft, en blanc et en noir. Trop bien. Merci beaucoup. J'ai cru voir qu'il y avait encore des choses dans le fond de l'enveloppe. Je crois qu'elle a eu la même idée que moi. Elle a mis des petites... Elle a mis des petites étiquettes. Oh, bah, celle-là, je pense qu'elle va avoir... Ouais. Elle a mis des petites étiquettes autocollantes, c'est trop bien, merci. Je lui en avais mis aussi du coup dans mon envoi, donc ça tombe très bien. Et puis elle a mis un petit ruban velours, très chic, il est bleu foncé, franchement j'adore. La couleur elle est trop belle. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, ton envoi, il me fait énormément plaisir, Elodie. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres parce que vraiment, c'était super sympa. Je m'attendais pas à ce que tu envoies autant de choses. À la base, tu devais juste m'envoyer le bloc. Donc, je saurai que la prochaine fois, faut pas que j'hésite à t'en mettre parce que toi aussi, tu en mets beaucoup dans les colis. Mais bon, c'est vrai que c'est vraiment un plaisir, en fait, finalement, d'envoyer les choses. Et de les recevoir, hein, forcément, mais c'est vrai que même de les envoyer, je trouve que c'est tellement agréable. Donc, merci encore à toi. Je te fais de gros bisous et puis je te dis à très bientôt. On se retrouve bientôt donc sur Instagram ou sur YouTube pour de nouvelles créations. Gros bisous tout le monde!